Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Xiaomi Labs. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du tout nouveau Xiaomi Mi 8. Il est sorti le 31 mai et on l'a déjà en stock sur la boutique. C'est parti pour l'unboxing. Alors déjà, pour commencer, on se retrouve avec une petite boîte dans laquelle on va retrouver une coque. Une coque pour protéger le téléphone. Une notice. Une deuxième notice. Et pour terminer, un adaptateur jack 3.5 vers USB type C puisque ce téléphone n'a pas de prise jack. Et il y a aussi le petit outil pour insérer la carte SIM et la carte micro SD. Et voilà, on se retrouve directement avec le téléphone, il est juste ici. Hop. Et voilà. Donc j'ai déjà allumé juste avant la vidéo pour pas perdre de temps. On va un petit peu l'utiliser tout à l'heure, mais juste avant, on va continuer l'unboxing. Alors juste ici, on voit qu'il y a un chargeur et ce chargeur c'est pas n'importe lequel puisque il est compatible Qualcomm Quick Charge 4.0, donc ce qui va faire que votre téléphone va se recharger hyper rapidement. Et aussi pour terminer, on a un câble USB type C. Voilà, donc on va un petit peu ranger, hop, c'est mieux. Et voici le téléphone. On va un petit peu faire le tour de l'appareil. Hop, on prend une petite LED pour que vous voyez bien la caméra. Sur le dessus, on se retrouve, je sais pas si on voit. Mais en tout cas, il y a un réducteur de bruit pour le micro. Sur la tranche droite, le volume plus et le volume moins. Sur la tranche gauche, le port pour la carte micro SD et la carte SIM. En dessous, un microphone, un haut-parleur et la prise USB type C. À l'arrière, on se retrouve donc avec un double capteur photo qui fait de très très belles photos. J'ai testé tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un comparatif photo qui va arriver très bientôt sur la chaîne YouTube Mi Mix 2S contre le Mi 8. Vous allez voir ça très très bientôt sur vos écrans. Et il y a aussi, comme vous pouvez le voir, un petit capteur d'empreinte digitale. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va utiliser le téléphone et on va un petit peu voir ses caractéristiques qui sont juste ici. Alors, pour commencer, processeur Qualcomm Snapdragon 845. On ne peut pas trouver mieux sur le marché actuellement. C'est le processeur le plus puissant que nous fait Qualcomm. La capacité de la batterie est de 3400 mAh. Il a un double capteur photo de 12 millions de pixels. Plus 12 millions de pixels, une taille d'écran de 6,21 pouces, un écran de résolution 2248x1080, donc c'est du Full HD+, au format 19/9, et il a 6 Go de RAM. Et je me trouve en possession de la version 256 Go. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va un petit peu... Oulala, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai cliqué sans faire exprès. Ah oui, je voulais vous expliquer quelque chose. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un petit notch ici, à la manière de l'iPhone X, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop et qui regardent cette vidéo, et bien sachez que vous pouvez cacher ceci. Regardez, il suffit juste d'aller, donc là le téléphone est en anglais, et en fait il faut juste aller dans Full Screen Display, hop, et Hide Screen Notch. Donc vous inquiétez pas en fait, hein, quand vous commandez le téléphone sur la boutique, il sera directement mis en français, vous n'aurez rien à faire. Alors voilà, vous pouvez voir que le notch a complètement été caché et que la barre de notification va rester en permanence. Donc là, si on va dans des applications, on va pas avoir cette petite bordure en haut. C'est plutôt pas mal. C'est bien pensé de la part de Xiaomi. Voilà, donc je pense que l'unboxing est terminé. Vous pouvez retrouver ce téléphone sur la boutique et sachez qu'il sera bientôt en test photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contre le Mi Mix 2S que j'ai sous la main. Qui se trouve juste ici, le Mi Mix 2S. Voilà, voilà, les deux plus grands téléphones actuellement que fait Xiaomi, enfin pas les deux plus grands, mais les téléphones les plus puissants que nous fait Xiaomi pour le moment. Voilà, donc ils seront en test de la qualité photo très très bientôt. Voilà, voilà, donc je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à bientôt.